Alors dans cet exercice, on vous propose de mélanger, de reproduire en fait un système expérimental dans lequel on mélange de l'eau liquide et de la vapeur d'eau à une température importante et on laisse évoluer jusqu'à voir quel va être l'équilibre à la fin dans le système. Alors quand vous avez des systèmes avec des changements d'état possibles, il y a toujours plusieurs choix. Par exemple, mon système peut finir entièrement sous forme de liquide, entièrement sous forme de vapeur surchauffée, ou alors dans un système avec un équilibre liquide-vapeur à la température de changement d'état qui correspond à la pression qui est imposée à l'extérieur. Donc là, vous avez un récipient qui est fermé par un piston, votre calorimètre va être fermé par un piston, donc on impose la pression extérieure qui va être la pression de 1 bar, et donc on va imposer ça, revient à imposer la température du mélange, si mélange il y a, et c'est la question qu'on va se poser, sachant que le système est complètement calorifugé, ben, l'énergie qui permet par exemple de réchauffer l'eau liquide vient forcément de la vapeur d'eau qui du coup va se refroidir ou se condenser. Et donc on va essayer d'avoir une idée de, a priori, quel va être l'état final. Alors, on peut tirer ça à pile ou face. Voilà, en l'occurrence, on aurait besoin d'une pièce à trois côtés pour parce qu'on a trois possibilités, mais on peut aussi intuiter la bonne valeur. Plutôt que de faire une hypothèse, faire tous les calculs, arriver à une incohérence et puis se dire ben finalement mon hypothèse n'était pas bonne donc je prends la suivante. C'est possible, mais ça peut prendre trois fois plus de temps si vous n'avez pas de bol. Toujours dans la dernière poche qu'on trouve, finit par trouver ce qu'on est en train de chercher. Donc là, vous avez une masse M1 de vapeur. Donc on vous dit simplement que c'est de l'eau à 150 degrés Celsius. Mais étant donné qu'on impose une pression de 1 bar, bah vous savez qu'à 150 degrés Celsius, forcément, vous êtes sous forme de vapeur, parce que pour avoir de l'eau liquide, il faut que vous soyez à moins de 100 degrés Celsius. Donc déjà, vous avez 1 kg d'eau de vapeur, qu'on mélange avec 1 kg d'eau liquide à 10 degrés Celsius. Donc dans les données qui sont fournies, on vous dit que le C de l'eau, c'est 4,18 kilojoules par kilo. Par Kelvin. Donc il faut 4,18 kJ pour augmenter la température de 1 degré Celsius de votre kilo d'eau liquide. Et vous avez le CP massique de la vapeur qui est de 2,00 kJ par kilo, donc pris comme un gaz parfait, mais ça peut se calculer. Ils sont gentils de vous le donner, donc de 2 kJ par kilo par Kelvin. Vous voyez donc qu'il faut plus d'énergie pour augmenter d'un degré Celsius l'eau liquide qu'il n'en faut pour descendre d'un degré Celsius, enfin qu'il faut en prendre à la vapeur pour descendre d'un degré Celsius la vapeur. À peu près 2 fois plus d'énergie pour monter l'eau liquide que la vapeur. Ce qui veut dire que quand vous avez votre eau à 10 degrés Celsius et votre vapeur à 150, quand la vapeur a baissé de 10 degrés, à plus qu'à 140 degrés, votre eau liquide aura monté de 5 degrés et pas 10. Donc quand la vapeur baisse de 50 degrés pour arriver jusqu'à 100 degrés Celsius, l'eau liquide, elle a monté de 25, le que à 35 degrés Celsius. Donc déjà, on ne peut pas avoir le système où les 2 kilos se retrouvent à être entièrement de la vapeur surchauffée. Il y a tout simplement trop d'eau liquide, trop d'inertie thermique de ce côté-là qui va faire que la température ne pourra pas monter, vous ne pourrez pas tout vaporiser là-dedans. Alors bien sûr, là on a pris des valeurs simples au niveau des masses. Si les masses sont différentes, ben, il faudrait estimer la quantité d'énergie qu'il faut pour monter l'eau jusqu'à 100 degrés Celsius, la quantité d'énergie pour descendre la vapeur à 100 degrés Celsius. Et ben, s'il y en a une qui est plus grande que l'autre, ben, ça veut dire que le premier se fait entièrement et pas le deuxième. Donc là, on sait déjà qu'on va avoir soit un mélange liquide-vapeur, soit à la limite, tout va être sous forme d'eau liquide, parce qu'on aura réussi à condenser toute la vapeur. Alors ceci dit, on vous donne l'enthalpie de vaporisation qui est de 2,26 10 puissance 3 kilojoules par kilo, par kilo. Tout simplement, c'est des kilojoules par kilo. Donc 2200 kilojoules. On a pour condenser toute la vapeur, une réserve de 2200 kilojoules, sachant qu'il faut que 4 kilojoules pour monter de 1 degré pour arriver jusqu'à 2200, on va dire 4000 pour simplifier, ça fait 1000 degrés d'augmentation de température. Donc 2200, on peut monter l'eau liquide avec ça, 1 kilo d'eau liquide de 500 degrés Celsius. C'est énorme, c'est absolument énorme. Et bien sûr, l'eau liquide, elle ne va pas rester liquide jusqu'à atteindre ces 500 degrés Celsius ou ces 500 degrés Celsius en plus de la température qu'elle avait déjà atteinte. Donc là, il y a tellement d'énergie que la vapeur va se condenser un petit peu
pour donner de l'énergie à l'eau liquide, et l'eau liquide va monter jusqu'à 100 degrés Celsius. Donc maintenant qu'on a défriché ça, on va essayer de calculer les choses en se disant que voilà, j'ai mon évolution qui est isobare. Si l'évolution est isobare, ça me dit que la variation d'enthalpie de l'ensemble de mon système, alors le système, c'est l'ensemble M1 plus M2, donc l'eau liquide et l'eau vapeur. Donc le delta H, c'est égal au transfert thermique reçu lors de cette évolution isobare. Or, comme mon système est bien calorifugé, enfin, je le suppose, ce transfert thermique est nul. Donc je sais que lors de l'évolution, la variation d'enthalpie de l'ensemble du système est nulle. Maintenant, je vais utiliser le fait que la variation d'enthalpie par extensivité, H il est extensif, c'est la variation d'enthalpie du premier sous-système de la masse M1 et la variation d'enthalpie du deuxième sous-système. Et je vais détailler en fait ce qui va se passer. Je pars de M1 à une température T1 de 150 degrés Celsius avec M2 et donc là sous forme de vapeur, M2 liquide à T2 qui vaut juste 10 degrés Celsius, si mes souvenirs sont exacts, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit que j'arrive à un équilibre liquide-vapeur. Donc il faut que la vapeur descende toujours sous forme de vapeur, mais à une température T finale qui va être la température de l'équilibre liquide-vapeur, c'est-à-dire 100 degrés Celsius à cette pression-là. Donc j'ai M1 qui est toujours vapeur, mais à T finale qui vaut 100 degrés Celsius, et j'ai M2 qui est toujours liquide, mais à T finale. Pour réussir à faire ça, on a dit qu'il fallait que je condense une partie de la vapeur parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie. Enfin, l'énergie qui est relarguée par la vapeur pour passer de 150 degrés Celsius à 100 degrés Celsius n'est pas suffisante pour faire monter le liquide jusqu'à 100 degrés Celsius. Donc là, je vais avoir finalement une fraction X de mon M1, donc XM1 sous forme de vapeur à la température finale. J'ai 1 moins XM1 sous forme de liquide à la température finale et je me retrouve encore à M2 sous forme de liquide à la température finale. Et ça, c'est ma transformation totale. Et là, mon inconnu, ça va être X. Et donc, je vais pouvoir calculer les delta H pour chacun des sous-systèmes sur chaque trajet et essayer de voir à quoi ça correspond. Donc, je vais appeler ça delta H pour le trajet A et delta H pour le trajet B, parce que j'ai déjà du 1 et du 2. Donc, delta H pour le trajet A, c'est le delta H pour le trajet A de ma masse M1 plus le delta H pour le trajet A de la masse M2. Le premier, c'est de la vapeur. Donc, ça va être M1, le CP massique, fois la différence de température, donc ça va être T final moins T1. Le deuxième, c'est du liquide, donc ça va me faire M2 fois le C du liquide, la température finale moins la température initiale du liquide, c'est-à-dire T2. Donc j'ai déjà mon premier delta H qui apparaît comme ça. Le delta H B, il se trouve que je vais vaporiser une quantité, je vais condenser, pardon, une quantité 1 moins X fois M1, de vapeur à liquide. Donc, ça va être la masse que je veux condenser multipliée par l'enthalpie de condensation. Et l'enthalpie de condensation, c'est l'opposé de l'enthalpie de vaporisation. Il faut bien faire attention, hein, dans les données. On vous donne à chaque fois l'enthalpie pour le passage du plus ordonné vers le moins ordonné, donc celle qui coûte de l'énergie. Mais là, en l'occurrence, comme vous êtes en train de faire une condensation, vous faites le passage inverse, et bien vous avez un moins qui apparaît. Et ça, c'est le M1, puisque c'est la masse M1 qui se condense comme ça, partiellement.
Voilà, et ben là c'est tout puisque le deuxième, il était liquide à la température finale, il est toujours liquide à la température finale, donc le M2CTF-TF, ça fait 0, et il n'y a que ça comme variation d'enthalpie. J'écris que la somme des deux est égale à 0, donc je dois avoir M1CP plus M2CTF-TF moins T2, plus, enfin moins, puisque le moins il sort, 1 moins X. M1 élevé est égal à 0. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est le x, donc là ça va me faire du x directement, donc je vais avoir divisé par M1 élevé, et donc il faut que je passe ça de l'autre côté, donc ça va me faire... Ah non, non, je ne peux pas mettre en facteur, je ne peux pas mettre en facteur, grosse erreur, je ne peux pas mettre en facteur. Pourquoi je ne peux pas mettre en facteur? Parce que là j'ai un T1 et là j'ai un T2. Donc je suis désolé, mais je ne peux pas mettre en facteur. Je vais le réécrire. Donc je vais avoir du M1 CP facteur de TF moins T1 plus M2 C facteur de TF moins T2 moins ça, donc moins M1 élevé plus X M1 élevé, qui est égal à 0, je le développe tout de suite parce que moi ce qui va m'intéresser c'est d'identifier le x. Je fais passer le tout de l'autre côté. Donc je vais avoir le m1 élevé moins m1 cp tf moins t1. Bon, ça tombe bien, ça c'est aussi c'est négatif, donc en fait ça va être un plus, un truc positif. Moins, ça par contre, c'est l'énergie qu'on a dû dépenser pour augmenter la température de l'eau. C'est bien un truc, je soustrais un truc positif. Et il faut que je divise par M1 élevé. Voilà, là, j'aurais du 1 moins quelque chose. Et puis il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Voyons voir. Alors, si j'ai raison, c'est-à-dire si mon hypothèse de départ était correcte, c'est forcément que je vais trouver mon x entre 0 et 1. Parce que si je trouve un x supérieur à 1, ça veut dire qu'en fait tout est sous forme de vapeur et même plus. Si je le trouve inférieur à 0, c'est que en fait tout est sous forme de liquide, donc, et même moins, donc, enfin, et même plus, donc je vais avoir un souci. Donc il suffit en fait de faire l'application numérique. Donc on a du 1 kilo. Alors du coup, les kilos, je ne les mets pas. Donc j'ai du 2260 moins. CP, ça fait 2 fois la différence de température, donc c'est moins 50, une baisse de 50 degrés Celsius, moins C, c'est le 4,18, fois l'augmentation de température, c'est-à-dire 90, et je divise ça par 2260. Et quand je fais le calcul, je me retrouve avec du 87,8% de vapeur. Donc au final, j'ai une masse de vapeur qui est ce qui reste par rapport au 1, donc ça me fait du 122 grammes. Non, j'ai 122 grammes qui a été mis sous forme liquide. Donc j'ai une masse totale de liquide qui est le 1 kg que j'ai là plus les 122 grammes, donc ça me fait 1,122 kg de liquide. Et la masse de vapeur, là c'est 878 grammes qui me reste. Et j'obtiens simplement la valeur correspondante. Bon, vous me direz, avec tout ça, on n'a toujours pas fait de second principe. Hein. Même le TD est là-dessus. Bah, il suffit maintenant d'essayer de calculer la variation totale d'entropie. Pour calculer la variation totale d'entropie, on va utiliser le même principe ici. Et à calculer le delta S qui correspond à chaque passage. Alors, comment on fait? Donc, je vais reprendre mon petit dessin. Je vais déjà avoir pour le gaz, pour la vapeur, sa variation d'entropie. J'ai une masse M1 de vapeur à T1. Ensuite, ça arrive à une masse M1 de vapeur à TF. Et puis finalement, j'ai une partie qui est
sous forme de vapeur et un moins x m1 qui est sous forme de liquide, donc un changement d'état. Donc si je calcule le delta S de mon gaz, c'est le delta S lors du passage A plus le delta S lors du passage B. Lors du passage A, j'ai un gaz qui reste à pression constante. Je vais donc utiliser la formule qui donne le delta S pour le gaz en restant à pression constante. Et celle-là fait intervenir le CP. Vous pouvez regarder dans les formules. Ça me fait du CP ln de la température finale sur la température initiale du gaz. Ensuite, donc ça c'est le passage A. Et le passage B, ben vous avez que la variation d'entropie massique, ça va être la variation d'enthalpie massique, donc le L, divisé par la température de changement d'état. Et là, c'est moins, puisque je vais dans le mauvais sens, fois TF, fois la masse que j'ai transformée effectivement en... en liquide, donc c'est 1 moins x L1 multiplié par moins LV sur TF. Donc je me retrouve avec une expression M1, donc moins kilo, facteur de CP ln de la température finale sur T1 plus, enfin moins LV sur TF, facteur de 1 moins x. Donc ça c'est pour la vapeur d'eau. Enfin, pour la vapeur d'eau qui s'est partiellement condensée. Donc, j'ai une partie due au refroidissement de la vapeur d'eau et j'ai une partie qui est due à la condensation elle-même. Et c'est bien un terme qui est négatif puisque je passe d'un système qui est plus ordonné à un système moins ordonné. Donc, je dois avoir quelque chose de négatif. Pour le liquide, bah, c'est simplement j'ai M2 à T2 sous forme liquide et puis j'arrive à M2 à la température finale toujours sous forme liquide. Donc, mes petites boîtes sont comme ça. Et donc, le delta S du liquide, c'est simplement M2 fois le C du liquide. C'est une phase condensée. Donc, c'est ln de T des rapports, du rapport de température. Et donc, mon delta S total, ça va être bah, la somme des deux. Donc, M1 CP ln de TF sur T1 moins... LV sur TF facteur de M1 à moins X plus M2 C ln de TF sur T2. Alors là, arrêtez-vous deux secondes avant de faire l'application numérique et dites-vous, on doit trouver quoi? Est-ce qu'on doit trouver un truc positif? Est-ce que ça a du sens? Le delta S, méfiez-vous, parce que je pourrais créer effectivement de l'entropie, mais le refiler au voisin, le refiler à l'extérieur, sans que ça disparaisse, enfin, sans que forcément ma variation d'entropie à moi soit positive. Ben là, en fait, oui, elle l'est. Pourquoi? Parce que votre système, il est calorifugé. Et s'il est calorifugé, il n'échange pas d'entropie avec l'extérieur. Donc, forcément, comme cette évolution est censée être irréversible, vous n'allez pas avoir naturellement qu'un mélange d'eau et de vapeur à 100 degrés Celsius va se mettre avec de l'eau à 10 degrés Celsius et de la vapeur à 150 degrés Celsius. C'est pas ce qu'on observe. Donc, c'est irréversible comme évolution, ce qui veut dire que je suis censé trouver un truc qui est positif ici. Donc, on va essayer de vérifier avec les valeurs numériques. Donc, le M, c'est 1. Le CP, c'est 4,18. Alors, je vais garder en kilojoules par kilo. Donc, c'est ln du rapport des températures. Donc, c'est 373. La température initiale, c'était 50 degrés de plus. Donc, ça doit être 423. Voilà. Moins, donc, le LV, on a dit que c'est 2260. 2260 divisé par le 373 fois la masse qui s'est effectivement qui a effectivement changé d'état, c'était 0,122. Voilà, et quand on fait ce calcul là, vous avez bien une baisse d'entropie de la part du gaz, ça c'est normal puisqu'il devient moins chaud, donc moins agité et plus ordonné parce qu'une partie s'est transformée en solide. Sauf que la baisse est compensée normalement par l'augmentation de l'eau. Ah, c'était pas 4,18 ici, c'était 2.
Donc là, c'est pas 4,18, c'est 2. Bon, j'ai quand même un truc qui va être négatif. Et l'autre, c'est 4,18 multiplié par ln du rapport 373 sur 283, puisqu'on était à 10 degrés Celsius. Et vous voyez que ça, c'est plus positif. Et si je prends ça et que je le mets ici, hop, la somme de l'ensemble va être effectivement positive. Donc ça me fait du 0,163 kilojoules, puisque j'ai tout laissé kilojoules par Kelvin, pour la valeur d'augmentation de l'entropie, et qui ici est directement donnée, enfin correspond à l'entropie créée, puisqu'il n'y a pas d'entropie échangée lors de cette évolution.